précédemment dans Afro Samouraï. Pourquoi l'ont-ils après ce gala, cet Afro Samouraï? Il existe depuis bien longtemps deux bandeaux, le numéro 1 et le numéro 2. Si tu portes le bandeau numéro 1, tu es l'égal de Dieu. Personne ne peut te défier, excepté celui qui porte le bandeau numéro 2. Le problème du numéro 2, c'est... Le problème du numéro 2, c'est que n'importe qui à travers le monde peut venir le défier. Appuyé contre un arbre, un mec m'approche avec un garde-fou. Ouais. Pédo à la face, il me dit soir ce, j'ai ton garde-fou. Ta mission, détruire le chef d'en haut de la colline, du technique Shaolin. S'il a de l'argent sur lui, garde tout. Merci, mais sans façon, j'ai d'autres projets. Je dois trouver le bandeau numéro 1 avant tout, c'est ma priorité. Parce qu'il y a plein de connards qui me collent au cul, rêve de couper ma tête et prendre mon bandeau numéro 2. C'est un délire, man. Et ouais, ça je te le fais pas dire. D'ailleurs, y'a un mec en face qui me fait raf, wesh, il me fait pas lire. Un type à tête d'ours, de lame tranchante, un style aiguisé, l'ami d'enfance déguisé. Là je crois que je pourrais pas non. Le gars Joe me fonce dessus, quel type acharné. Oublie que je suis le numéro 2, afro samouraï affamé. Mort au bout de 2 minutes, ma lame acharnée. Ma route faut que je continue, il me reste des types à farmer. Deuxième frère à l'appareil, le numéro 2 a traversé le passage de la terreur. Mon pote me parle. Afro, y'a deux vieux dans l'arbre qui te guettent, ils ont des jumelles. Je crois qu'ils veulent ta peau et le bandeau, fais gaffe mec. Merci man, ça fait un moment qu'ils me guettent, ignorons-les. Pour l'instant, les battes seraient un casse-tête. Je ne pense qu'à venger mon père, mort sous mes yeux. On va pouvoir grimper jusque là-haut pour tuer le numéro 1 sans que personne t'arrête. Mais tu rêves là. Il a déjà coupé la tête de ton père. Ancien numéro 1, tué par l'ancien numéro 2, devenu numéro 1. On arrive enfin à son repère, un mec hors pair. Paraît que ça bute tu les requins. Bon allez, j'y grille un stick, puis je rentre là-dedans. Apparemment y'a rien à part une odeur nauséabonde. L'odeur de la mort plane ici. Et des corps entassés, des combats en fait rage. Je vois que des mecs en ont bavé. Et je marche dans l'ombre, je vois un trône et un mec louche assis. Un type aux yeux rouges, une peau bizarre partout à tisse. Si c'est le numéro 1, faut que ma lame l'aromatise. Ce bâtard a tué mon père, celui qui m'a tout appris. Et il me dit numéro 2, afro, je t'attendais, je reprends ton bandeau. Ouais. Devenir dieu comme ton père l'a tenté, il se vantait. Mec le boss, j'en ai fait qu'une bouchée. Chargé que tu chercherais à le venger. Hydrage, je lui fonce dessus. J'ai l'intention de découper jusqu'à ce que ma lame sue. Ce fils de pute de cow-boy avec ses revolvers va payer. Le fer se croit, cette tapette va saigner. Il évite mes coups de lame, puis dans la tête se prend cher. J'ai beaucoup de mal, j'évite mes balles. Elle passe dans mon afro, je l'enchaîne. Deux, trois coups de sabre, il évite. Faut que j'arrive à lui mettre le coup de grâce, il méprise. Une balle me touche à l'épaule, je suis mal. Il me fonce dessus, essaie de me mettre le coup final. Je le désarme d'un coup de sabre. Ses revolvers s'envolent, je vais à le découper, à me laver avec du sang de porc. Mon pote crie afro, fais gaffe, il a un troisième bras dans le dos. Il est caché et prêt à t'attaquer, c'est un monstre. Je le découpe, lui et son bras en même temps. Le sang gicle, c'est fini, yo papa est vengé. Je suis l'afro samouraï numéro 1. Alors que je pensais que les choses pouvaient pas être plus dingues que ce que j'ai vécu jusque-là. Qu'est-ce que c'est encore que ce putain de bordel ?